Puis fait une annonce qui, quand même, la technologie bouge tellement vite. Allo, Gwena and Blueprint, de 5 ans, qui nous a fait, avec consultation du secteur, pour être capable de faire plein d'actions pour les années à venir, pour les secteurs. Mais aussi, écoute, très intéressant, le ministre des Finances, qui quand même pense l'avenir. Dans le secteur de TIC, nous connaît que l'intelligence artificielle lit le futur et qui peut être un national et un campaign pour aller par l'esprit de la population, bande jeune, bande moins jeune, bande grand du monde, c'est quoi l'intelligence artificielle et comment nous sommes capables de servir AI pour le bien-être. Donc ça, c'est une affaire très intéressante, mais aussi quand même nous noter que l'accès à l'Internet est très important aujourd'hui. Avec la communication avec aujourd'hui, quand même nous servir téléphone. On a besoin de dire qu'il y a une pénétration mobile dans le pays à 161%. Et aujourd'hui, les jeunes âgés en 18 à 25 ans pour gagner l'accès à son Internet là gratuit. Donc, il y a différents schemes qui peuvent développer à ça. Et aussi, quand nous pécoz, la digitalisation, c'est quand même un équipement technologique. Et donc, là, DBM vous donne un loan à 0% d'intérêt. Pour tout ça, un jeune âgé en 18 à 25 ans, pour qu'ils soient capables d'acheter un équipement technologique, pour qu'ils soient capables de servir et permettre d'évoluer dans sa monde qui est fascinant et ça monte qui pousse très vite. Donc, quand on quitte tout ça là, c'est vraiment un budget exemplaire, c'est un budget qui fait la part belle pour le secteur. Mais donc, on remercie le Premier ministre et le ministre des Finances qui finissent quand même une considération très importante pour le secteur des TIC.